Oui, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 146 de Stage One, et nous allons jouer aujourd'hui, comme vous le voyez, à Fruit Ninja HD. Fruit Ninja qui est aussi un jeu sur smartphone, qui est très apprécié, que beaucoup de gens connaissent et beaucoup de gens aiment. Et donc voilà, j'ai commencé un mode classique. Donc c'est parti. Alors le but clair, c'est là, en mode classique, de couper les fruits, de pas toucher les bombes. On va voir ce que c'est les bombes. Alors là, j'ai fait un critique 16. Donc le but, c'est de faire un maximum de points sans toucher les bombes et sans laisser tomber de fruits. Donc ça, c'est pour le mode classique, hein. Donc voilà. Alors les critiques, je sais pas trop comment ils viennent. Alors je vous dirais franchement, ça fait longtemps que j'y joue à Fruit Ninja. J'ai jamais vraiment compris les critiques. On a les combos quand on en fait plusieurs en même temps. À partir de 3 en même temps, ça nous donne un petit peu de bonus. Hop là, comme vous voyez, combo de fruits plus 3. Donc ça a compté mes 3 plus, on a rajouté 3. Au niveau des points, donc là je suis à 51, 53. Ninja du fruit, alors ça c'est les petites récompenses qu'on peut avoir, les petits objectifs. Vous voyez, j'ai laissé tomber un fruit sans faire exprès. Donc là j'ai une petite croix rouge en haut à droite qui est apparue. Et au bout de 3 croix rouges, ben, on perd carrément. Le niveau est, enfin le jeu est terminé. Et donc bah, du coup notre score qu'on aura à ce moment là, ce sera notre score de la partie. Donc c'est un peu... Voilà, je me suis fait avoir par une bombe. C'est un peu complexe par rapport à un petit peu de réflexe, mais des fois les bombes elles arrivent, bon, on les voit pas. Vous voyez, il y a eu un petit conseil. Alors, nouvelle partie, voilà, on va faire, pour continuer, on va faire tous les modes, on va faire un mode zen. Donc, mode zen, c'est tout simple, il y a pas de bombe, tout simplement, et il faut faire un maximum de fruits, donc un maximum de combos, on va dire. En 90 secondes, 1 minute 30. Hop là, donc là, bon, là, voilà, il est plus 5, j'étais pas trop. Plus 3. Donc le but, c'est là, de faire le meilleur des scores. Saccage de fruits. Il y a un petit trophée. On va voir qu'on peut débloquer aussi quelques petites récompenses de temps en temps. Des nouvelles épées. Parce que là, du coup, vous voyez, quand on découpe, ça fait un petit trait blanc. Yep. Et donc on a d'autres, il y a des flammes, il y a des lames disco, il y a des lames un peu tout, le fond aussi, le décor que vous voyez là, c'est du bois tout bidon. Bon, des fois il y a des symboles, du yin-yang, des trucs comme ça, ça se débloque, tout ça. Hop là, on essaye de faire un peu du score. Ah, ça fait longtemps que j'y avais pas joué, puis sur PC c'est différent aussi. Moi je l'ai sur mon smartphone et bah, sur smartphone c'est une autre façon de voir le jeu. C'est toujours le même principe, mais... c'est pas pareil, on y joue pas de la même manière. La chute ma souris, c'est pas vraiment top pour faire des bons combos, des choses comme ça. Yop. On remarquera quand même les graphismes qui sont beaux pour les graphismes sur PC. Graphisme simple, mais très beau, très bien fait. Voilà, le temps arrive, le petit clic-clic qu'on entend là. J'essaye de marquer quelques points en plus. Moment de zen. Hop là, temps écoulé. Nouvelle lame déverrouillée, vous voyez qu'il me dit... On ira voir après. Alors, hop. Ce qu'on va faire, on va aller voir le dojo, le butin du sensei. Voilà, lame rouge brillante. Donc là, c'était la lame d'origine. Donc c'est la rouge brillante. Merde, attendez, je sais plus. Je suis un peu perdu. Voilà, hop, on sélectionne. Et voilà, vous voyez notre lame, et maintenant elle est rouge. Alors ça, c'est nouveau. Lame de feu. Hop, maintenant notre lame, elle fait des flammes. Donc on en avait deux. Et on n'a pas d'autre chose, on n'a pas de fond, on n'a rien. Voilà. Et on va aller faire donc le troisième mode, c'est le mode arcade. Que vous voyez ici. Mode arcade qui est mon préféré, qui est le préféré de pas mal de gens. Donc sur le mode arcade. Alors, vous avez vu, il y a une bombe qui était violette cette fois-ci, elle n'était pas rouge. Une bombe violette vous enlève 10 points. Vous enlève 10, 10 points, enfin ouais, on peut appeler ça des points, c'est ce que vous avez coupé quoi. Et donc le niveau se termine à la fin du temps, donc on a une minute à peu près je crois, je sais plus exactement. Hop là, on a des bonus, voilà. Ah bah je l'ai pas eu parce que j'ai tapé dans une bombe. Mais on a ça en plus, c'est à dire qu'on a des bonus, on a 3 bonus différents. Donc on a un bonus comme celui qui est passé devant nous qui était 1x2. 1x2 c'est, ça multiplie le score pendant un certain temps. Et donc tout ce que vous allez faire pendant un temps donné sera multiplié dès que le bonus finit. Alors là hop, on a eu le troisième bonus qui ralentit. Fait une sorte de ralenti, c'est un paralysie. Hop, double point, on le voit ici, on va voir tous les bonus. Donc on a eu le frenzy qui envoie des fruits sur les côtés. Le double point que vous voyez là, hop, 34, 68, ça m'a donné des points.
Et le ralentissement qu'on a vu. Oh putain, j'ai encore un double point. Alors ce qui est bien, c'est de combiner le double point avec le frenzy. Parce que le frenzy, quand il est là, voilà, j'ai des super blitz. Quand vous faites pas mal de combos à la suite, ou pas mal de combos tout court, en fait, ça vous donne des super blitz des fois. On arrive à monter, je suis monté à méga blitz plus 20, ou je crois même que j'étais même allé au-dessus. Donc voilà. 60 secondes, on recommence. Parce que du coup, on n'a pas eu le temps de pouvoir correctement. Hop. Le petit détail, c'est qu'on voit la trace des fruits qui s'éclate sur le décor derrière. Bon, c'est un détail, mais c'est vrai que ça a son importance dans la beauté du jeu. Là, on a un frenzy, regardez, combo blitz, j'ai fait plus 5. Donc là, j'ai critique, mais critique, je sais pas comment il vient. On peut très bien faire un critique sur un petit fruit qui se balade que sur plein de fruits qu'on découpe en même temps. C'est... je sais pas. Est-ce que ça fait partie des fruits qui sont un peu aléatoires? Regardez-moi tout ça. Ouh, combo blitz. Allez, combo super blitz plus 10, voilà, et on peut monter... on peut monter encore. Paralysie. Hop. J'essaye de faire des combos. Voilà, fantastique blitz plus 15. Voilà, super fantastique blitz plus 20, on l'a vu. Donc ça fait du bon score, ça, quand même. Ça fait déjà mieux que la première partie. Même si c'est pas énorme. Pour vous dire, sur mon portable, j'ai fait 614. D'ailleurs, il me semblait avoir fait 570. Et je me suis pas su que j'étais à 614. Alors 20, 25, 25. Regardez, ça, c'est les bonus qu'on a en fin de partie. Ça vous donne toujours un peu plus de points. C'est suivant ce que vous avez fait, en fait. Alors en général, quand vous avez des gros scores, ça vous en donne pas beaucoup. Quand vous avez des petits scores, facilement vous avez des bons bonus, c'est bizarre, hein. Enfin... Je sais plus trop, il y a plein de critères, suivant les bombes que vous avez touchées, suivant les combos que vous avez fait, vous êtes maître de la combo... Hein. Hop. Oui, on en fait un troisième. J'aime bien ce mode, alors c'est pour ça que j'en fais encore un. On va essayer d'augmenter encore plus le score, qui n'était pas non plus... Hein. Fantastique, là on est déjà à 119, c'est pas mal. Parce qu'on n'a pas les bonus au bon moment, en fait. Donc là on a eu du plus 10. Ah, alors le freeze. Hop, plus 3. Combo blitz, hop, plus 10. On va essayer de marquer plus que tout à l'heure. C'est pas gagné. Hop là, 39 x 2, magnifique. Oh, encore un frénésie. Plus 10. Oula, bah là on va éclater le score. Ah là là. Ouais. C'est plutôt pas mal tout ça. Il nous reste 7 secondes, bah c'est bon. C'est bon, le score est éclaté. 389. On va essayer de faire mieux. Allez, voilà. 399. Plus 10, plus 10 et plus 25. Ce qui nous donne 444. Bon, c'est bon score, je suis content de moi, c'est bon. Surdoué, 400. Ah d'accord, on a eu un petit trophée en haut. Alors, regardez le dojo. Est-ce qu'on a autre chose de nous... Est-ce qu'on a débloqué quelque chose d'autre? Non. Non, on n'a rien eu de nouveau, malheureusement. Voilà. Allez, nouvelle partie. On va refaire un mode classique. Parce qu'on en a fait qu'un, comme on l'a fait trois fois le mode action, mode arcade. Je vais faire un deuxième fois le mode classique. On va essayer d'améliorer le score. C'est pas dit. On sait pas, peut-être. C'est possible. Tout est possible. Voilà, plus 10. Désolé si j'ai des blancs, hein, je sais. Bon, je peux pas tellement dire de trucs sur Fruit Ninja. Comme ça, je vous montre à peu près 10 minutes, comme je dis d'habitude, pour les petits jeux comme celui-là. Allez. Donc ce sera... Là, je pense que le prochain épisode, ce sera plus un gros jeu. Parce que là, on a fait plein de petits jeux. On a fait les Angry Birds. Je voulais les faire. De toute façon, je me suis dit, bon, les Angry Birds, voilà. C'est des jolis jeux qui sont intéressants, que les gens aiment bien. Je me suis dit, je vais les faire comme ça, au moins. Même s'ils connaissent déjà, je les aurais fait. J'ai fait le Bad Piggy juste avant, parce que lui, il est un peu moins connu, mais il est bien aussi. Et là, donc, on est sur Fruit Ninja, qui était, selon moi, incontournable dans les jeux de smartphone.
Je sais pas si on peut faire du double jump. Et je vous assure que si on peut le faire sur PC, bah je vais le faire. Je suis un fou. Alors, mais comme je vous disais, donc la prochaine vidéo sera un vrai jeu. Enfin, un vrai jeu. Ça aussi, c'est un vrai jeu. Au passage, on a éclaté le score, hein, je vous le dis. Hein. Je vous le dis parce que je viens de le remarquer, mais j'avais pas fait attention au score. Oula, il est pas bien. Donc, un gros jeu, comme je disais. Je sais pas encore quoi. Je ne sais pas, je ne sais pas. Ce sera la surprise. Oh, peut-être du Street Fighter. J'avais du Elder Scroll encore, peut-être en réserve. On verra. Allez, hop. 154. Je suis pas sûr qu'on aille bien plus loin. Allez, 159. Allez, 161. Ah, même moi, même sur mon portable, je fais pas ça. Parce que j'ai des gros doigts et sur le portable, je touche les bonbons. Ah, il me semblait que j'avais laissé tomber un fou. Et ben là, voilà. C'est moi qui parlais. 175. Bon, c'est un joli score. Les marins anglais consomment des citrons verts pour prévenir du scorbut. Ah, c'est là le petit conseil que je vous disais tout à l'heure. Donc voilà. Allez, donc ce sera tout donc pour Fruit Ninja HD. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à venir visiter ma page YouTube où se trouvent plein d'autres vidéos. Sinon, tu peux aussi cliquer sur les vidéos au milieu pour aller les voir directement. Je t'invite à laisser des pouces verts si tu as aimé ou des pouces rouges si tu n'as pas aimé. Tu peux même laisser un commentaire en bas de la vidéo pour me dire ce que tu penses. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Stage 1.